Invocation. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir les trois maillots les plus beaux. Commençons par, hop là, par le petit Real Madrid. Waouh, voilà le Real Madrid d'abord, son beau petit logo. Regardez-moi ce beau petit logo. Oh mais oui, oh mais oui, oh mais oui. Ah mais oui, eh oui monsieur, le beau petit logo là. Même vous avez vu ce petit col là, ce gros col du ancien Real Madrid et le petit logo Adidas en or très joli et la couleur bonne et la petite marque. Ouais. Bon on a vu le maillot du Real Madrid, maillot Real Madrid poubelle. Ah ouais logique. Passons à non. Chelsea. Et maintenant voilà. Ah oui d'abord j'ai aussi oublié de faire un truc, l'ASMR. Sur le Real Madrid. Ah, oh, ça fait du bien. Eh, monteur, tu mets des bruits. Oh, oui, oh, oui. Voilà, on avait la qualité. Maintenant, la SMR, le logo. C'est quoi cette qualité? C'est quoi cette qualité? Bon, vraiment, on s'en fiche. Ah, oui, si j'ai oublié de vous montrer le flocage du grand jeu des cassettes. Ah, pas trop. Ok, on te remet pour 2 points la poubelle. La marque Adidas, comme rien, mais c'est pas jaune. Donc, maillot Chelsea, poubelle. Il y a la poubelle. Passons maintenant au grand dieu, l'AC Milan. Maintenant, voici Milan. Alors, le beau petit logo, on écoute l'ASMR comme d'hab. Vous mettez des bruits relaxants. Voilà la qualité, mais la qualité des toiles est mieux. Le petit logo Adidas, on connaît. Et la même marque aussi du Real. Et cette fois, il y a un focage. Non, je rigole, il n'y a rien. Il y a caca. Le dieu des caca avec une apostrophe. Et le numéro 22. Écoutons la qualité du focage. Les deux. Ok, c'est pas mal. Et les prénoms. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Donc, hop là. Let's go. Alors, si je faisais mon top avec ces trois maillots, ok. En troisième, je mets Chelsea. En deuxième, je mets Milan. Et en premier, le grand Saint Graal des yeux du foot qui va combattre Milan le 1er août. Le Real Madrid. Hein. Yeah juste, j'ai juste aimé la juste avec la qualité du logo, c'est tout. Et la couleur. Donc je le mets premier. Donc voici. Et donc, je vous dis à très bientôt.